La sorcellerie, personne ne, sans l'esprit de sorcellerie, personne ne peut être sorcier. J'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Nous venons de voir l'onction et son rôle. Et Dieu, il y a 3 jours, il me dit que la bonne marche de la vie chrétienne est un don. C'est un don. Ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est un don. Mais si les 9 dons que je vous ai donnés, pour que vous puissiez vivre la vie chrétienne, vous ne savez pas ce que c'est, comment vous allez avoir une vie victorieuse?
Et c'est pour cela que nous allons prendre le temps de vous expliquer, le temps que ça peut prendre. Parce que l'échec de l'Église est du fait de l'ignorance des 9 dons que Dieu a donné à son Église pour que l'Église vive une vie victorieuse. Et c'est pour cela que Paul, il a constaté ça aux Corinthiens. Il a constaté ça. Et Paul dit, au verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Parce que Paul, il a remarqué que les gens vont à l'église, mais en réalité, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Ils vont à l'église par leurs propres moyens, par leurs propres forces. Ils vont à l'église. Ils veulent aider Dieu à les aider à vivre la vie chrétienne. Donc, un jour, il a dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je suis en train de constater que vous êtes dans l'ignorance. Alléluia. J'ai dit alléluia. Vous devez savoir que les dons spirituels qui nous permettent aux chrétiens, qui permettent à l'Église de vivre une vie victorieuse, sont 9. Alléluia. Et on peut les classer en 3 grands groupes. Alléluia. On peut les classer en 3 grands groupes. 3 grands groupes. Le premier groupe, ce sont les dons qui révèlent les choses inconnues. Les choses cachées sont à qui? Et les révélées sont à qui? Donc vous devez savoir que la vie chrétienne, Dieu a préparé les choses d'avance, qu'il doit nous révéler ça pour que nous puissions vivre cette vie-là. Et la première catégorie que Dieu, la première catégorie de dons que Dieu nous a donné pour que nous puissions découvrir ce que Dieu a prévu pour nous, c'est le don des révélations. Le don des révélations est composé de la parole de sagesse. La parole de sagesse. 2, la parole de connaissance. Et 3, le discernement des esprits. Alléluia. Ça, ce sont les dons des révélations. Et si tu ne connais pas ces choses, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Je prends mon temps, ceux qui veulent prendre les notes, parce que c'est un enseignement qui va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. La deuxième catégorie de dons, ce sont les dons de puissance. Alléluia. Les dons de puissance. Et le premier, c'est la prophétie. Alléluia. Les dons de puissance, ce sont des dons qui agissent. Et le premier, c'est le don de prophétie. Alléluia. Je prends mon temps pour que vous puissiez prendre bien les notes. Alléluia. Alléluia. Donc, je récapitule. Il y a 3 dons qui révèlent les choses inconnues, les choses cachées. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. La deuxième catégorie de dons, ce sont des dons qui agissent, qu'on appelle les dons de puissance.
Alléluia. La première est la foi particulière. Vous savez, il y a quatre sortes de foi. On va voir ça après. Non. Non. La première, c'est la foi particulière. La deuxième, c'est le don de guérison. Et le troisième, c'est le don de miracle. Alléluia. Je récapitule. La première catégorie est composée de trois dons. Le premier don, c'est la parole de sagesse. Deuxième, la parole de connaissance. Et troisième, le discernement des esprits. Ça, ce sont des dons qui révèlent les choses cachées, les choses inconnues. Maintenant, la troisième catégorie, ce sont des dons de quoi? Des dons de puissance. C'est ça qu'il dit. Ce sont des dons de puissance. Ce sont des dons qui agissent. Alléluia. Et le premier, c'est la foi particulière. Vous savez, il y a quatre sortes de foi, on va voir. On va parler vite en besoin. Et il y a la foi particulière. Alléluia. Et le deuxième, c'est le don de guérison. Troisième, c'est quoi? Le don de miracle. C'est des dons qui agissent. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et leur rôle, et ils agissent. Dans la vie du chrétien. Et ils agissent. Alléluia. Troisième, ce sont des dons qui parlent. On les appelle les dons vocaux. Et parle. C'est ce que vous savez. Premier, c'est la prophétie. Alléluia. Deuxième, c'est le don de la diversité de quoi? Des langues. Et troisième, l'interprétation des langues. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir le premier des révélations qui est la parole de sagesse. Alléluia. Écoutez-moi, je vais aller tout doucement. La parole de sagesse. Et je vais donner beaucoup d'exemples dans la Bible pour que vous sachiez ce que. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc, le don de sagesse, c'est quoi? Alléluia. Le don de sagesse, c'est quoi? Le don de sagesse, c'est la capacité surnaturelle que Dieu révèle à un de ses serviteurs, pour connaître la pensée et la volonté de Dieu. J'explique. Je suis là. On veut la jammer. C'est ça, non? Et puis on est là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et puis Dieu me donne le don de sagesse. Pour dire que vous allez partir à jammer. Quand vous allez arriver là-bas, là, vous allez dans tel coin. Si vous partez dans tel coin, on vend de tel. Si c'est pour aller acheter de la banane, si c'est pour aller acheter les produits, bon, arrivez ici, arrivez dans tel coin, allez ici, les produits sont là. Je vous dis que quand on a fini tout ça, là, les gens pensent que nous sommes des sorciers. Hein. Et c'est pour cela qu'au temps des apôtres, les gens avaient la crainte des apôtres parce qu'ils connaissaient
Il connaissait le rôle de ces dons-là. Mais aujourd'hui, l'Église a laissé tous ces dons et ils sont dans les jeunes de prière. Et leur vie est une vie d'échec. Exemple des paroles de sagesse. Je suis venu le dimanche, j'étais assis. Et Dieu me dit, il faut aller prendre une chaise. C'est ça? Et il faut prendre le tapis et mets-la. Est-ce que vous comprenez? Et il me dit que chacun vienne s'asseoir simplement dessus et que lui, Dieu, il fait le travail. Ça, c'est le ton de sagesse. Vous comprenez ce que j'ai dit? On va aller tout doucement. Donc, la parole de sagesse est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit concernant un dessein dans la pensée et la volonté de Dieu. Je vous dis une chose. Je vais vous expliquer. Parce que il faut que vous sachiez que cette définition est profonde. Écoutez-moi bien. Regarde ce qu'il dit. Je prends mon temps pour vous expliquer. Et c'est Dieu qui m'a donné tout ça là. La parole de sagesse est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit concernant un dessein dans la pensée et la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que personne ne peut connaître la pensée totale de Dieu. C'est-à-dire que, écoutez-moi très bien, parce qu'il dit, Alain a donné la parole de connaissance, Alain a donné la parole de sagesse. On est tous ici. Vous comprenez? C'est comme on rentre dans une pharmacie. On rentre dans la pharmacie, celui qui est malade du malaria, quand il s'en va, ses médicaments de malaria, il paye. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est à la diarrhée, il a la diarrhée, ses médicaments de diarrhée, il paye. Donc, la parole de sagesse, c'est quoi? C'est la manifestation surnaturelle dans le plan de Dieu selon sa volonté. C'est-à-dire qu'on est ici, non? On est ici. Moi, Dieu peut me dire que, si on a, voilà, le problème, votre problème là, voilà la solution. Mais vous devez aller ici pour voir la solution. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand on arrive à la pharmacie, quand tu arrives à la pharmacie là, tous les médicaments, est-ce que tu as besoin? Tu n'as pas besoin. Mais Dieu, lui, connaît toutes choses. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est ça, non? Donc, par exemple, quand Dieu est en train de me parler, Dieu va te dire exactement ce que tu as besoin. C'est ça la parole de sagesse. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment T, Dieu te révèle, selon lui, sa volonté, ce que tu as besoin. Et non pas ce que toi tu lui demandes. J'allais tout doucement. Si vous ne comprenez pas, vous posez la question. Parce que c'est la première fois que je donne cet enseignement. C'est la première fois. Parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'est. Il m'a enseigné, je viens vous enseigner. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, la parole de sagesse est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit concernant un dessein dans la pensée de Dieu. Dieu, lui, connaît toutes choses. Mais, ou bien tu peux dire, la parole de sagesse est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit concernant un plan dans la pensée de Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Dieu a plusieurs plans pour toi. Mais aujourd'hui, il y a un plan spécial, il y a quelque chose de spécial qu'il veut faire pour toi. Et la chose qui donne ça, c'est la parole de sagesse. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et c'est vrai que Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, là, ne soyez pas dans l'ignorance. Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Alléluia. Donc ici, ce n'est pas le don de. Ici, ce n'est pas le don de sagesse. Le don de sagesse est différent de la parole de sagesse. C'est une parole que Dieu te donne
pour connaître sa volonté en ce moment T. Le don de sagesse, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en connaissant la parole de Dieu, tu acquiers une sagesse qui te permet de vivre dans la vie active. Mais la parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle que Dieu te donne à un moment T pour exécuter sa volonté. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et c'est pour cela qu'on dit que ce sont des dons de révélation. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, ce sont des dons de révélation. Quelqu'un m'entend? Donc la parole de sagesse est différente du don de sagesse. C'est différent. Et c'est pour ça que Paul, il a vu ça, il a dit, ah, vous êtes dans l'ignorance. Hein? Parce que vous l'aimez, vous venez à l'église, chacun s'élève, il marche selon sa sagesse. Oh, la vie chrétienne, on ne marche pas selon sa sagesse, mais on marche selon la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est la puissance surnaturelle que Dieu te donne à un moment T pour exécuter sa volonté, pour que tu aies une vie de victoire. Do you understand me well now? Vous comprenez bien maintenant? Je prends tout mon temps. Parce que Dieu, quand j'ai posé la question, ça fait 2 semaines que Dieu me forme. Maintenant, il dit, bon, faut partir. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Ok. Vous comprenez? Donc, il y a une différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. La parole de connaissance ne parle que des choses passées et des choses présentes. Mais la parole de sagesse parle toujours du futur. Vous comprenez? Tout mon temps. Écoutez-moi bien. La parole de sagesse, c'est la puissance que Dieu te donne pour te révéler quelque chose qui va arriver demain. Ça, c'est la parole de sagesse. La parole de connaissance, elle ne parle que du passé et du présent. Par moments, les deux peuvent marcher ensemble et faire les choses ensemble. Dieu peut simplement te dire, hier, voilà ce que tu as fait. Mais, pour demain, hier tu as fait ça, voilà ce qui t'est arrivé. Demain, il ne faut plus faire ça, il faut faire ce que tu dois faire. Donc, tu vois que la parole de connaissance et la parole de sagesse peuvent marcher ensemble. Fais très attention. Ce n'est pas une prophétie. Moi, je vous demande pardon, hein. Suivez-moi très bien, je prends tout mon temps. Parce que Dieu a pris 2 semaines pour me former. Parce que j'ai posé trop de questions. Je ne comprenais pas. Vous comprenez? Si quelqu'un ne comprend pas, il peut lever la main, puis je vais expliquer. On est à l'école du Saint-Esprit. Vous comprenez? On va prendre 2 exemples pour que vous puissiez comprendre. Actes chapitre 9, 10-18. Quand on prend l'exemple, vous allez bien comprendre. Actes chapitre 9, 10-18. Quand on va prendre l'exemple là, vous allez très 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 bien comprendre. Actes chapitre 9, 10-18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Quand il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints
Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Dans ce passage-là, la parole de connaissance et la parole de sagesse fonctionnent ensemble. Vous voyez? Vous voyez? Ils fonctionnent ensemble. À quel niveau? Il y a ce qu'il dit. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias répondit, pardon. Le Seigneur lui dit, dans une vision, pardon. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison Judas, un nommé Saül de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit. Vous voyez, non? Donc, écoutez, voici la vision que Ananias a. Il dit, il faut partir. Qu'il y a un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier. Vous comprenez? Donc ici, il y a la parole de connaissance. La parole de connaissance révèle le passé et le présent. Donc, il reçoit une parole de connaissance pour dire qu'en ce moment précis, là, il est en train de prier. Puisque la parole de connaissance révèle le passé et le présent. Vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, où se trouve la parole de sagesse? Il faut Dieu pour révéler ça. Où se trouve la parole de sagesse? Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voici la parole de sagesse. Vous voyez, non? La parole de sagesse prédit l'avenir. Il dit, il est en train de prier, il faut partir. Mais quand tu vas prier pour lui là, voici la parole de sagesse qu'il te donne. Il va parcourir le monde entier pour parler de ma part. C'est la partie là qui est la partie de sagesse. Et si tu ne sais pas, tu vas parler, c'est une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie fait trois choses qu'on va voir tout à l'heure. Quelqu'un qu'on a dit qu'il va aller souffrir, c'est pas une prophétie. Les enfants diront d'une chose. Donc vous voyez que tout, quand on va finir ça là, vous allez voir que tout ce qu'ils disent aux prophètes là, vous allez, je vais même pas parler, vous allez tirer conclusion. Je ne juge personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Regardez, il dit, il va souffrir, non? On va voir, puisque la parole de sagesse a dit qu'il va souffrir. On va voir. 2 Corinthiens,
11, 20, 27. On va aller tout doucement. Hein. Je prends tout mon temps parce que je veux que vous compreniez pour que 2 Corinthiens 20, 27. 2 Corinthiens 11, pardon. 2 Corinthiens 11, 20, 27. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose, soit-il hébreu. Moi aussi. Pardon, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Voyez-vous, donc la parole de sagesse prononcée dans Actes chapitre 9, qui dit quoi? Actes chapitre 9. Je prends mon temps, hein, pour vous expliquer bien. Actes chapitre 9. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, c'est la parole de sagesse. Et cette parole de sagesse, ça s'est accompli. Donc, lui, il est en train de parler. Donc, la parole de sagesse annonce les choses futures. Ce n'est pas une prophétie. Et c'est pour ça que Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, il y a autre chose. On a besoin de toutes ces choses pour vivre une vie heureuse et glorieuse. Vous comprenez? La parole de sagesse. Je prends mon temps. Donc, vous voyez que la parole de sagesse et la parole de connaissance peuvent marcher ensemble. Mettez-vous une chose en tête. La parole de connaissance parle du passé et du présent. La parole de sagesse parle du futur. Il dit que c'est un instrument entre mes mains. Je l'ai choisi pour aller devant les nations. Il va souffrir. Ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de sagesse. Or, qu'est-ce qu'on constate? Certains, ceux qui se disent prophètes des nations, ils disent que non, j'ai prophétisé qu'il va aller et qu'il va souffrir. Tout à l'heure, on va voir ce que c'est qu'une prophétie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu. On va prendre le cas de
Ananias et de l'unique éthiopien. Actes chapitre 8. Je prends beaucoup d'exemples que vous puissiez comprendre. Quand les professeurs de mathématiques ou bien de physique, ils font des leçons, ils donnent beaucoup d'exercices aux élèves pour qu'ils puissent comprendre. Donc ce sont des exercices. Actes chapitre 8, 26 à 31. Acte chapitre 8, 26 à 31. Un homme du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche de ce char. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il lui répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ça, c'est une parole de sagesse. C'est une parole de sagesse. Parce que la parole de connaissance parle du passé et du présent. La parole de sagesse parle du futur. La sagesse, c'est peut-être que Dieu est trop sage. Parce que Dieu connaît tout ce qui arrive devant. Donc, quand quelqu'un connaît tout ce qui va arriver demain, il ne peut être que sage. Quelqu'un entend le son de ma voix? Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne sont pas sages? Parce qu'ils ne savent pas, que la parole de sagesse, de Dieu leur a donné ce don-là pour qu'ils soient sages, pour qu'ils prennent des décisions sans consulter quelqu'un. Parce que, qu'est-ce que la parole de sagesse? La parole de sagesse, c'est la puissance surnaturelle que Dieu donne à un de ses enfants pour connaître la volonté de Dieu dans le futur. Si moi j'ai la parole de sagesse que Dieu me donne, que je connais mon lendemain, est-ce que je peux faire des erreurs? Mais pourquoi je fais des erreurs? Parce que je ne sais pas que Dieu m'a donné ce don-là pour que je puisse vivre la vie chrétienne. Et donc je suis dans les jeunes et prières, je suis dans les chez les prophètes qui en réalité ne sont pas des prophètes. Et c'est pour cela que l'Église est dans la confusion. Je bénis Dieu parce qu'il m'a fait la grâce de me révéler cela. Je bénis Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Par moments, on confond la parole de sagesse et le don de sagesse. On va lire un passage. Josué 1:8. C'est bon, le volume est bon? Si vous ne comprenez pas, vous posez la question. Josué 1:8. Josué 1:8. Que celui de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ici, Dieu donne un conseil à Josué. Pour dire que, pour que tu réussisses dans la vie, maman, c'est si tu dors, un bon message quand tu dors. Pour que tu puisses réussir dans la vie, il faut marcher selon ma parole. Donc, la connaissance de la parole de Dieu te donne la sagesse naturelle. Mais ce n'est pas une parole de sagesse. Je prends un exemple. Dieu dit que par exemple, Dieu dit que il faut avoir une seule femme. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pas ça? Aussi longtemps que tu as une seule femme, il n'y aura jamais de rivalité dans ton foyer. Alléluia. Alléluia.
mais ce n'est pas une parole de sagesse. Parce qu'avant, tu étais un frivole. Tu ne vois pas femme passer. Mais tu viens à l'église. Et Dieu te dit maintenant que le problème que tu as, c'est parce que tu es frivole. Moi, Dieu, là, je te dis, ma parole me dit, mais je te dis d'avoir une seule femme. Et donc, en écoutant la parole de Dieu, Dieu dit que la parole que vous avez reçue est esprit et vie. C'est pas ça? Donc maintenant, tu commences maintenant à marcher selon la parole de Dieu. Et maintenant, on dit, ah, le monsieur est devenu sage. Hein. Maintenant, il ne sort plus, il est avec sa femme. Depuis, il est parti à l'église, là. Vous comprenez? Donc, la connaissance profonde de la parole de Dieu te donne la sagesse naturelle pour vivre la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas une parole de sagesse. Et, par moments, les gens confondent ça. Ils confondent la sagesse naturelle qu'on acquiert par les conseils de nos parents. Vous comprenez? Par les conseils des vieux, par les conseils de la Bible, les gens confondent. Ça n'a rien à voir avec la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est un don surnaturel. C'est une puissance de révélation que Dieu te donne pour être en avant sur les autres. Alléluia. Je prends un exemple. Dieu m'a dit de créer Shada Football Club. J'ai créé Shada Football Club. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont en train de faire les centres de formation. Mais moi, je suis devant. Ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de sagesse. La parole de sagesse, Dieu qui connaît toutes choses, la parole de sagesse, un homme peut te draguer. Et puis, la nuit, ou bien quand tu habilles pour partir, le Saint-Esprit va te dire, il ne faut pas partir. Ça, c'est une parole de sagesse. C'est pour t'éviter les problèmes demain. Mais comment se fait-il? Quand on dit qu'on est chrétienne, on dit qu'on est chrétien, on se met des aventures et puis après on voit que la personne n'est pas une bonne personne. Or Dieu, pour éviter tout ça, il nous a donné le don, les 9 dons pour que nous puissions vivre une vie victorieuse. Tu ne peux pas avoir le don de la parole de sagesse et faire des erreurs. Pas possible. Vous comprenez ce que j'ai dit? Lui en descend, mais vous voyez? Donc vous êtes. C'est pour ça que Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Comment Dieu, tu penses à quelque chose, le Saint-Esprit te donne la parole de sagesse, ne fais pas. Il faut faire. Et tu n'écoutes pas. Et tu, après maintenant, quand tu es dans les problèmes, tu es en train de jeûner prier. Et il y a une parole qui dit, tu n'as pas voulu reconnaître le temps où tu as été visité par Dieu, par la parole de sagesse. Il arrivera un temps où tes ennemis t'encercleront. Toi et tes enfants te détruiront. La parole de sagesse. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Par moment. Tellement que les gens, moi aussi, il y a 2 semaines, j'ai confondu ces choses. Je préfère vous dire la vérité. Mais Dieu m'aime. Regardez, on va voir le cas de quelqu'un que Dieu a aimé. Dans la Bible, 2 Chroniques 1, 7 à 12. Deux chroniques. 1. Deux chroniques 1. C'est à 12. Pendant la nuit, Dieu est apparu à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu
Que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, comme n'en aura aucun après toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Par moments, les gens pensent que cette sagesse que Dieu a donnée à Salomon, c'est une parole de sagesse. C'est vrai, Dieu a parlé, mais ce n'est pas une parole de sagesse. C'est un don de sagesse. Ce n'est pas une parole. Alléluia. J'ai dit alléluia. Pourquoi? Parce que si c'était une parole de sagesse, Salomon n'allait pas avoir une fin malheureuse. Non. 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 Vous voyez? Les gens confondent le don de sagesse et la parole de sagesse. Regardez Salomon comment il est mort. Misérable. Alors que la parole de sagesse, ça annonce les choses futures. Dieu lui a donné un don de sagesse et d'intelligence pour gérer le peuple. Mais ce n'était pas une parole de sagesse. C'était un don. Alléluia. Et nous allons lire Jacques chapitre 5. Pardon, Jacques 1, verset 5. Jacques me dit non, papa, mais ça c'était ancien temps. Oui, c'est ancien temps. Mais Jacques, on voit Jacques. Jacques chapitre 1, verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça, c'est le don de sagesse. Ça n'a rien à voir avec la parole de sagesse. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour cela que Paul, il a vu ça. Il dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je vois que vous faites beaucoup d'amalgames, beaucoup d'erreurs. Et c'est pour cela que votre vie chrétienne est mélangée. Parce que vous devez connaître les 9 dons que Dieu a donné à son église pour que vous puissiez vivre une vie victorieuse et glorieuse. Mais qu'est-ce qu'on constate? Vous vivez, c'est une vie de désespoir. Parce que les dons, on dit les dons spirituels. Les dons spirituels, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui te donne. Alléluia. Vous voyez? Donc la sagesse de Salomon. Donc le gars dit non, tu as la sagesse de Salomon. Tant. Moi je préfère la parole de sagesse au don de sagesse. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc vous comprenez maintenant pourquoi les gens sont dans les jeûnes de prière. Parce qu'ils n'ont pas. Quand Dieu leur donne la parole de sagesse, ils ne font rien avec ça. Ils viennent devant Dieu avec leurs projets. Ils viennent devant Dieu avec leurs projets. Or, on n'a pas besoin de venir devant Dieu avec notre projet. Parce que devant Dieu, Dieu nous donne la parole de sagesse qui annonce notre futur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia.
Vous savez, j'ai dit une chose, par moment les gens confondent la parole de sagesse à la prophétie. La parole de sagesse est totalement différente de la prophétie. Totalement différente. Mais donc, simple de la prophétie. Totalement, totalement. Moi aussi, je confondais. Quel est, qu'est-ce que le don simple de la prophétie fait? 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc vous voyez que la prophétie ne parle pas du futur. La prophétie a trois fonctions. Elle édifie, elle exhorte, elle console. Donc quand quelqu'un te dit, Dieu m'a parlé que tu as fait un accident, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de sagesse. Dieu m'a montré que tu as fait un accident. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a le ministère du prophète. Vous savez, il y a deux choses. Le don de prophétie est différent du ministère du prophète. Alléluia. Alléluia. Tu peux prophétiser en exhortant les gens, en consolant les gens. Cela ne fait pas de toi un prophète. Tu peux prendre une voiture ici, aller à Abidjan, jusqu'à Yamoussoukro, mais tu ne vas pas devenir voiture. Quelqu'un entend le son de ma voix? Et d'ailleurs, tout ce que aujourd'hui vous voyez, que tous ceux qui se disent prophètes et qui disent que mon Dieu m'a montré demain, tu vas être telle chose. Quand Dieu me dit que Etiam sera président de la République, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de sagesse. C'est une parole de sagesse. C'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. C'est une parole de sagesse. Parce que la parole de sagesse annonce les choses futures. Mais la prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exhorte. Elle fait quoi? Elle édifie. Elle console. En disant à Thiam qui sera président de la République, par le Saint-Esprit, en quoi ça lui console? En quoi ça l'exhorte? Rien. C'est une parole de sagesse. Et donc, c'est pour cela que Dieu dit en amont, la parole de sagesse, c'est la manifestation surnaturelle que Dieu donne à un de ses serviteurs dans la pensée et de la volonté de Dieu pour annoncer les choses futures. Écoutez-moi très bien. Donc, quand Dieu dit, Thiam sera président de la République, Dieu lui connaît le futur. Il sait qui l'a choisi pour diriger la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'on ait des problèmes. Vous comprenez? En son temps, Dieu avait dit que c'était le président Alassane Ouattara. Les gens voulaient me tuer. Mais est-ce qu'il n'est pas président? Mais son temps est fini. C'est Thiam, il prend. Ça, c'est une parole de sagesse. Ce n'est pas une prophétie. Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous comprenez? Mais imaginez-vous dans l'église, les soi-disant prophètes. Dieu m'a montré ton mari. Il est derrière l'eau. Dieu m'a donné une prophétie pour toi. Ce n'est pas une prophétie. Si c'est vrai, c'est une parole de sagesse. Et c'est pour cela que quand Dieu me met ici, Dieu me dit que tu es sa femme. Il me dit que tu es son mari.
Ça, ce n'est pas une parole. Ce n'est pas une parole de sagesse. Mais c'est une parole de quoi? De connaissance. Parce qu'en ce moment précis, tu es là. Dieu me dit que. Parce qu'il annonce le passé et le. Ce n'est pas une prophétie. Vous comprenez? Il fait malin. Moi, ça fait 2 semaines que je sais ça. S'il y a quelqu'un qui emmerde Dieu sur la terre, c'est moi. Moi, il emmerde. Il faut dire à ma femme, elle me demande si je dors. Moi, il emmerde. Moi, je suis sur mon téléphone, quand elle me parle, j'écris, quand elle me parle, j'écris, quand elle me parle, j'écris, quand elle me parle, j'écris. Bah, moi, je suis un grand merde. C'est pas lui qui dit qu'on a encore réfléchi sa mémoire. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Il dit si quelqu'un a besoin de quelque chose, il n'a qu'à lui demander. Non. Vous voyez? Vous voyez? Moi, je n'ai pas dit que j'ai écrit un livre où Dieu me dit que non, la prophétie. Non! Moi, je suis blanc. La prophétie exhorte, édifie et console. La prophétie ne donne pas de révélation. Et c'est pour cela que les 3 dons de révélation, il n'y a pas la prophétie dedans. Les 3 dons de révélation sont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Je défie quiconque va me dire que la prophétie annonce le futur. Et nous tous, on a fait ces erreurs. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, je pense que quand tu sais que tu fais quelque chose, ça ne marche pas, que tu demandes à Dieu. Et puis, il te corrige. Il faut avoir le courage de dire que tu t'es trompé. Mais les gens restent dans leur tromperie. Parce qu'ils se disent que... Et comment ils vont faire pour assurer les gens? Alors que quand tu dis la vérité à quelqu'un, il te fait plus confiance. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et donc, quelqu'un qui est appelé au ministère des prophètes, en plus du don simple de prophétie, il doit avoir les autres dons. Alléluia. Et le don qu'il doit avoir de manière significative pour prédire l'avenir, c'est le quoi? C'est quoi? La parole de sagesse. Alléluia. La parole de sagesse. La parole de sagesse n'est pas une prophétie, c'est la parole de sagesse. La prophétie fait trois choses. Édifie, exhorte, console. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et donc, quand quelqu'un te dit que j'ai prophétisé sur sa vie, demain il va voyager, j'ai prophétisé, Dieu va lui donner du travail, j'ai prophétisé, il sera médecin. En réalité, ce ne sont pas des prophéties, c'est des paroles de connaissance. Un bébé qui est dans ma main, qui Dieu dit qu'il sera pharmacien, ce n'est pas une prophétie. En quoi ça console? C'est une parole de connaissance. Pardon, c'est une parole de sagesse. C'est bon? On peut avancer? On peut acclamer le Seigneur? C'est bon? Dieu m'aime. C'est ça, non? Dieu m'a dit que j'ai parcouru le monde entier pour donner enseignement. Il m'a dit ça. Je vous pose la question, c'est une prophétie ou bien une parole de sagesse? Hein? C'est une parole de sagesse. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand Dieu vous dit, faites telle offrande, 1 million, tout ça, parce que Dieu va vous rendre millionnaire après milliardaire, c'est quoi? Une parole de sagesse. Ce n'est pas une prophétie. Ah, je suis content parce que vous comprenez. Un frère peut acclamer le Seigneur. Actes chapitre 11, verset. On va donner les exemples de paroles de paroles de sagesse. Actes chapitre 11, 27-30.
En ce temps-là, les prophètes descendent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il aurait une grande famine sur toute la terre. Et arriva en effet. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. Alléluia. On dit, entre-temps-là, des prophètes descendirent à Jérusalem et Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva, en effet, sous Claude. Donc, ici, c'est une parole de connaissance ou bien une prophétie? Une parole de sagesse ou bien une prophétie? C'est une parole de sagesse. Alléluia. Annoncer à quelqu'un que tu n'as pas faim, ce n'est, on ne console pas. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Dieu m'aime. Si les hommes ne m'aiment pas, moi je ne fais rien à ça. Moi, j'emmerde Dieu. Je suis un emmerdeur. Moi, je sais que d'ici 5 ans, il y aura trop de milliardaires ici. Amen. Non, mais je ne dis pas pour faire plaisir. Hein. Vous connaissez la vérité vous affranchira. À partir d'aujourd'hui, là, tu n'as pas à demander à quelqu'un. Non, la parole de sagesse. C'est un don, non? Donc, il nous a promis, non? Il faut lui demander. Je vous ai toujours dit que Dieu ne va jamais te donner quelque chose qu'il ne t'a pas promis. Dieu te donne le don de la parole de sagesse. Tu laisses ça. Tu es en train de jeûner, prier pour connaître la volonté de Dieu. Tu fais quoi avec la parole de sagesse que Dieu t'a donnée? Tu fais quoi avec ça? Et tu es en train de jeûner, prier pour connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Or, il t'a donné le don de la parole de sagesse. La parole de sagesse. Vous comprenez ce que j'ai dit? Hein, docteur? Tu as vu, non? Actes chapitre 21, 10, 14. Je prends beaucoup d'exemples, beaucoup d'exercices pour que vous puissiez comprendre. C'est bon, non? C'est bon? C'est Dieu qui me donne et puis je vous donne. Sinon, moi-même, je ne connais rien. 10, 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Alléluia. Elle dit alléluia. Personne ne peut mettre fin à une parole de sagesse si elle n'est pas conditionnée. Dieu a dit, tu vas partir, tu vas souffrir. Tu ferais mieux d'aller et puis souffrir vite et puis tu vas avoir le temps. Et puis, je vous pose la question. Quand le Saint-Esprit se révèle à Jésus et lui dit, tu vas aller à la croix, tu vas souffrir, on va te clouer. C'est une prophétie ou bien une parole de sagesse? Et Jésus, il s'en va à la montagne de Gethsémané, dans le jardin de Gethsémané. Dieu lui montre, il dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'écarter, mais toutefois, que ta volonté soit faite. C'est lui, Jésus, qui a écrit ça,
qui sait que la parole de sagesse là, personne ne peut intervenir s'il n'est pas conditionné. Donc il s'est résolu pour dire, même tout, prière que j'ai fait là, c'est zéro. J'ai oublié une chose. Mesdames et messieurs, quand tu reçois une parole de sagesse de Dieu qui te dit cet homme n'est pas pour toi, cette femme n'est pas pour toi, et que tu dis que Dieu n'a qu'à te faire une grâce, tu es ignorant. Dieu n'annule jamais une parole de sagesse si elle n'est pas conditionnée. Et c'est pour ça que l'Église est dans la tourmente, dans la désolation, dans l'échec chronique répété. Tu es béni. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et Dieu me l'a dit. Aucune prière ne peut annuler une parole de sagesse si elle n'est pas conditionnée. Dieu te dit, lève-toi, va à Boaké. Faut partir. Si tu es malin, il faut partir. Dieu te dit, cet homme n'est pas pour toi. Cette femme n'est pas pour toi. Si tu veux, il faut te jouer les dangereux. Non, je demande la volonté permissive de Dieu. Il y a des rebelles comme ça. Ça, c'est la rébellion, ça. Le volume est bon. Do you understand me? Are you happy? Vous jouez. On était encore à Yopougon, dans la misère. Quand Dieu m'a montré le mariage de Madame Kofi, de Noël aujourd'hui, qui est aujourd'hui Madame Kofi, je lui ai dit, ah, Dieu m'a montré ton mariage, hein, que c'était un grand mariage, un très grand mariage. Mais Dieu me dit, si tu ne cherches pas garçon, tu fais pas n'importe quoi, Dieu, tu vas avoir un grand mariage. Elle s'est mariée sans connaître garçon. Est-ce que le mariage n'est pas grand? C'est une prophétie ou bien une parole de sagesse? Ah ouais, quand on va quitter, quand on va finir d'enseigner ça là, il y a des gens qui vont voir que ils se sont trompés. Hein. Je sais que ceux qui nous suivent en ligne là sont découragés. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai dit qu'une parole de sagesse, elle peut être annulée si elle est conditionnée. Nous allons voir deux cas de paroles de sagesse dans la Bible qui a été conditionnée et Dieu annulée. Alléluia. J'ai dit alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Deux rois. Deux rois 20, 1 à 6. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent et qui sont contents. Deux rois, 20, 1 à 6. Deux rois, 20, 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos. Prophète Ésaïe. Un grand prophète de Dieu. Fils d'Amos vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici,
je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que cette parole de sagesse était conditionnée. Donc Dieu a annulé. Vous voyez, c'était conditionné. Il était malade, Dieu dit, il va mourir. Il est venu, il a dit que je suis d'accord. Il ne discute même pas. Mais regarde ce qu'il a fait pour toi. J'ai été intègre. Vous comprenez? Donc à quel moment une parole de sagesse que Dieu te donne, qui peut annoncer ta mort, Dieu peut annuler? Quand tu révèles à Dieu que voilà ce qu'il a fait de bon pour toi. C'est ce qu'on appelle une parole de sagesse conditionnée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On va lire encore une autre parole de sagesse conditionnée que Dieu peut annuler. Jonas chapitre 3, 1 à 10. Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3, 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils suppliaient, ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tout de leur mauvaise voie et d'exactes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendrait pas et ne se repentirait pas et s'il ne renoncerait pas son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Dieu? Voici encore une parole de sagesse conditionnée. Dieu dit, tu vas mourir. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Si tu te repens sincèrement et que Dieu sait que tu t'es repenti, c'est fini. Mais si tu n'es pas repenti, ça va à son terme. Dans les deux cas, l'autre, il n'a pas fait quelque chose de mauvais. Mais il a dit à Dieu, ah, c'est vrai, hein, je sais que je suis malade, tu peux me guérir. Mais voilà ce qu'il a fait pour toi. Il dit, ok, d'accord, j'ai compris. Ils ont 15 ans. Les autres, ils reconnaissent ce qu'ils ont fait de mauvais. Alléluia.
C'est en cela que Jésus dit qu'il est avocat auprès du Père. Vous voyez la parole de sagesse? Si tu t'es, quel que soit ton péché, quel que soit ce qui t'a fait de mauvais, tu reçois une parole de sagesse. Pour Dieu dit, voilà ce que ça va t'arriver. Mais regardez, la Bible déclare que le roi a décrété un décret, a décrété une publication pour dire qu'on n'a qu'à se répentir. Mais vous, qu'est-ce qu'on constate? Vous faites quelque chose qui n'est pas bon. Dieu donne la parole de sagesse pour dire que voilà ce qui vous arrive. Vous continuez dedans. C'est-à-dire que vous venez, vous jouez à l'hypocrisie, vous faites la repentance, mais cette repentance n'est pas sincère. Vous continuez dans vos bêtises. La parole de sagesse ne va jamais s'annuler. Dans les deux cas, l'autre a dit à Dieu, voilà ce qu'il fait pour toi. Il dit, ok, j'ai oublié, tu es guéri, 15 ans. Dans les autres cas, ils reconnaissent qu'ils ont mal fait. Et cette parole de sagesse, Dieu a annulé. Et je vais vous dire une chose, c'est Dieu seul qui peut annuler une parole de sagesse. Parce qu'on peut venir ici, vous allez venir me blaguer. Papa, vraiment, je me répands. Vous pleurez, mais derrière les portes fermées, vous êtes encore dans la bêtise. Donc, je vais vous dire une chose, qu'est-ce que la parole de sagesse? C'est une puissance surnaturelle que Dieu donne à ses enfants pour connaître sa volonté. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, les gens ils m'accusent. Donc, quand on demande pardon à papa, laissez. Moi, une parole de sagesse que tu as reçue de la part de Dieu par ton comportement, c'est toi seul qui peux conditionner ça en te répondant sincèrement. Mais vous êtes encore, vous venez ici, vous mettez ici, vous pleurez tout ça, mais quand vous sortez, encore les hommes mariés, encore les femmes mariées, encore les bons amis, tout cela, ou bien encore le vol, encore le mensonge, qu'est-ce que moi je peux faire? Aucun homme de Dieu ne peut annuler une parole de sagesse venant de Dieu. Aucun homme. C'est Dieu lui seul qui sait qui est sincère, qui n'est pas sincère. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Acte chapitre 27, 9 à 25. Acte chapitre 27. Vous comprenez bien, non? Vous comprenez bien? Et quand c'est comme ça, il m'appelle, papa. Bon, moi, c'est comme il y a une de mes filles qui est venue me voir, elle me respecte tellement. Elle vient me voir pour dire que non, il y a un homme qui veut marier, tout, rentrer, sortir ici, hein, tout ça. Dieu m'a dit que, parole de sagesse, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bon, elle est plus âgée que le jeune homme de 3 ans. À ce qu'il sache, Ève n'est pas née avant Adam. Je n'ai pas besoin de paroles de sagesse. Mais la sagesse naturelle par la connaissance de la parole de Dieu me donne de parler tout de suite. Parce que ce que vous ne savez pas, quand on rentre dans ce genre de relation, il y a le droit de naître que personne ne peut modifier. C'est spirituellement qu'on en juge. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, on appelle ça le droit de naître. Que tu ne veux pas, il va te dominer. Va te dominer. Parce que moi, je connais les femmes, je lui ai dit non, toi, tu es mon petit frère. Mais est-ce qu'elle a menti? Elle dit la vérité dans la douleur. Alléluia. Acte chapitre 27, 9, 25. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner,
la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénicie, port de Grèce, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Grèce. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maître de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissait emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête le lendemain et on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes encore toute espérance de nous sauver. Or, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'aura pas de perte que celle du navire, un nom du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui en sera comme il m'a été dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ton Dieu? Ça, c'est une parole de. Oh, mais vous devez connaître maintenant, on a fait beaucoup d'exercices. C'est une parole de sagesse. Dieu a dit à Paul que tu vas partir à Jérusalem, par Agabus, c'est pas ça? Que tu vas partir, que tu vas aller là-bas, ils vont te juger, tu vas souffrir. Et il lui a dit que non, il ne faut pas partir. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez à m'attrister? Moi, j'ai parti. Que la volonté de toi se fasse. Donc, il prend le navire. Mais quand il prend le navire, il dit aux gens que, ah, ce qui est sûr, il va voir, Dieu lui dit, par une parole de sagesse, qu'il va voir une tempête. Mais les gens ont regardé leurs connaissances naturelles. Les matelots, les ingénieurs, ils ont regardé leurs connaissances. Il y a un petit vent qui est venu. Ils ont commencé à se moquer de Paul. Et maintenant, après la moquerie, voilà le grand vent. Et maintenant, ils avaient tous peur. Ils avaient tous peur. Mais regardez, Frédéric, tu dors. Regardez, ils avaient tous peur. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais regardez, il y a un ange du Seigneur qui est venu parler à Paul la nuit. Ça fait plusieurs jours, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Parce que c'était la tempête. Mais il y a un ange du Seigneur qui est venu parler. Paul, il dit, Paul, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, c'est moi, Dieu a parlé à Gabus que tu vas partir, tu vas être jugé. Donc, vous tous qui partez là, personne ne va mourir. Mais c'est le bateau que vous allez perdre. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et quand vous lisez encore plus, un peu plus en avant, ils sont arrivés sains et saufs. Et ça, c'est une parole de sagesse. Ça annonce le futur. Ce n'est pas une prophétie. Parce que la prophétie exhorte, elle console et elle édifie.
Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, le problème que vous avez, que nous avons, pour ne pas dire nous avons, c'est que les dons que Dieu nous a donnés pour que nous puissions vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ, on l'a laissé et on a nous-mêmes trouvé des mots. On a trouvé des, je ne sais pas, jeûne et prière, prière de Marie, prière de jeûne de Esther, et tout cela. Je vous pose la question. Quand tu prends depuis la création de l'Église par le Saint-Esprit, tous les apôtres là, tu as vu Marie, tu as vu jeûne d'Esther là-bas? Parce qu'ils marchaient selon les 9 dons. C'est un don. C'est des dons que Dieu donne pour que nous ayons des vies victorieuses. Donc, voici quelques éléments que la parole de sagesse donne aux chrétiens. Alléluia. Regardez ici, l'ange, il parle à Paul, il dit, bon, ne vous inquiétez pas, c'est que vous allez arriver à bon port. Alléluia. Donc la parole de sagesse est un moyen que Dieu utilise pour nous rassurer quand nous traversons des moments difficiles. Alléluia. Donc, par exemple, tu es quelque part, tu es arrivé quelque part, tu ne sais pas comment tu vas faire. Si réellement tu as le Saint-Esprit, Dieu va te dire, il ne faut pas t'inquiéter. Que voilà, là, c'est vrai, hein, actuellement tu es trop fatigué, actuellement tu as fait beaucoup de choses. Mais voilà ce qu'il te dit, il ne faut pas t'inquiéter. C'est ce qui est arrivé, à Paul et aux autres. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, la parole de sagesse est un moyen que Dieu utilise pour annoncer à quelqu'un qui a de la détresse qu'il ne faut pas t'inquiéter, que certainement, cette épreuve-là, ça ne va pas te tuer. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que la parole de sagesse fait encore? Le don de la parole de sagesse est un moyen que Dieu utilise aussi pour protéger ceux qui croient en lui. C'est un moyen. Vous comprenez? C'est un moyen que Dieu utilise pour te protéger. Pourquoi? Parce que si Dieu peut me dire que tu veux aller à Jérusalem avec ce bateau-là, je te dis de ne pas partir. Il faut attendre. Est-ce que Dieu n'est pas en train de me protéger? Donc, dans le même passage, il y a deux choses que Dieu fait. La première chose, Dieu dit à Paul, n'allez pas. Ce n'est pas pour les protéger. Mais comme le bateau ne lui appartient pas, il était obligé de partir. Mais dans la décadence, dans les épreuves, le même Dieu vient pour lui dire que vous le rassurez, pour lui dire qu'il ne faut pas t'inquiéter. Quelqu'un m'entend? Donc la parole de sagesse permet à Dieu de protéger les croyants que nous sommes d'une situation certaine. Comme Dieu a dit à Paul, n'allez pas. Mais ils n'ont pas écouté. Mais ils sont partis. Mais à cause de Paul, dans cette détresse-là, Dieu a envoyé encore un autre ange pour dire que non, il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? En conclusion, pour la parole de sagesse, Dieu donne la parole de sagesse à ses enfants que nous sommes pour faire son œuvre sans inquiétude. C'est pour ça qu'il nous a donné la parole. Le,
la parole de sagesse. Le don. Et parmi les trois dons, la parole de sagesse, la parole de connaissance et l'interprétation des esprits, c'est la parole de sagesse qui est la plus grande. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la parole de connaissance ne parle que du passé et du présent. Mais si j'ai la capacité de connaître ce qui va m'arriver demain, je crois que c'est lui qui est plus grand. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous comprenez ce que j'ai dit? Et donc, le don de la parole de sagesse est employé pour révéler le plan de Dieu à ceux qui sont appelés au ministère. Donc, celui qui n'a pas le don de la parole de sagesse, il peut pas être pasteur. J'ai pierre sur ces pierres, j'ai bâti mon église. C'est pas ça? Ainsi, l'église est bâtie sur Christ, il faut que lui nous oriente. Et donc, mesdames et messieurs, le don de la parole de sagesse est là pour orienter les enfants de Dieu que nous sommes selon le plan de Dieu. Sur ce, que le Seigneur nous maintienne dans la bénédiction. On va se tenir debout, on va prier. Prions le Seigneur. Chacun va prier et puis moi-même, on va prier ensemble. Chacun prie. Prions le Seigneur. Merci papa. Merci de mettre le buisson. Nous sommes exaucés au nom de. En premier, vous êtes prêts avec moi maintenant. Vous êtes prêts avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je voulais te dire merci. Tu dis que si. Tu dis que la connaissance de ta parole nous éclaire. Aujourd'hui, je suis éclairé. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, tu as permis que je fasse la différence entre la prophétie et la parole de sagesse. Je voulais te dire merci. Je sais que les jours à venir, tu vas m'envoyer en eau profonde. Je te dis merci. À partir d'aujourd'hui, que ton Esprit Saint m'aide à vivre la parole de sagesse que tu me donneras à chaque moment de ma vie afin que je sois un chrétien victorieux. Une chrétienne victorieuse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Reconnaissance. Ouais, j'ai pas fait. On va faire le front de ministère. Vous avez été bénis? Dieu même, non? Donc, quand quelqu'un dit non, j'ai une prophétie pour toi, que tu vas voyager, c'est faux, non? C'est faux. J'ai une prophétie pour toi. J'ai une prophétie pour toi. Ton mari va revenir. Aucune prophétie n'annonce l'avenir. On va prier, ministère. On va prier. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons véritablement te dire merci. Voilà, tu nous as bénis. En guise de reconnaissance, nous sommes dans ce ministère. Nous te disons merci parce que nous sommes déjà bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci, papa.